أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، آمين اللهم آمين يا رب العالمين. À tous et à toutes, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh et bienvenue dans cette nouvelle partie avec le thème de la prière. Et ce thème fait partie de la préparation pour Ramadan. Pourquoi ? Parce que c'est un mois avec des actes d'adoration. Et puis, ça mérite, subhanallah, une certaine réforme. Ça mérite qu'on s'y prépare tout simplement pour rester sur le droit chemin. On a besoin de recevoir le rappel régulièrement. Et puis, même si ça fait des années qu'on prie, eh bien, peut-être qu'à un moment donné, on va s'éloigner du droit chemin. Et à un moment donné, la routine va s'installer. Alors, le rappel vient rafraîchir la foi et il vient aussi renforcer le cœur et renforcer chaque croyant dans son accomplissement de la prière. Parce que parfois, au bout de 10 ans, 20 ans, on voit des personnes quitter le chemin de la prière, submergées par les épreuves. Ils n'ont pas accepté certaines choses, parfois peut-être révoltées contre Allah. Alors qu'Allah Azza wa Jal nous dit, subhanallah, à travers Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, mon bonheur a été placé dans la prière. La prière, elle apporte un bonheur, une paix intérieure. C'est ça, sa'ad, le bonheur d'être heureux, c'est d'être dans une paix intérieure. Eh bien, quand j'accomplis la salat, est-ce que ça me procure de la paix? Est-ce que j'y vais avec une paix? Est-ce que je me réjouis de rencontrer Allah Azza wa Jal et de pouvoir parler avec lui? C'est aussi ça. La salat veut dire le lien. La salat veut dire le lien privilégié, le lien exceptionnel, le lien number one dans ma vie. Parce que celui qui m'a donné existence en premier, c'est Allah. Celui qui m'a aimé en premier, c'est Allah. Celui qui m'a nourri en premier, c'est Allah. Donc, je lui dois cette reconnaissance et cette admiration. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit « As-salatu nur », la prière est une lumière. C'est une lumière qui vient nourrir le cœur de lumière. C'est une lumière qui vient m'éclairer dans ma vie de tous les jours. La prière, elle est censée m'aider à évoluer dans mon comportement, m'aider à changer. Elle est censée aussi me faire rappeler que la rahma d'Allah est dans le fait d'effacer les péchés. Celui qui accomplit la salat, les cinq prières à dire Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, eh bien ses péchés seront effacés tant qu'il ne commet pas les grands péchés. Et là, on va étudier la concentration dans la salat. Un jour, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam est entré dans la mosquée. Il y avait un homme, en fait, qui priait. Et lorsqu'il a vu que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam est entré, une fois qu'il a terminé sa prière, il s'est dirigé vers lui et lui a dit « Assalamu alaikum wa rahmatullah ». Il l'a salué. Et le prophète alayhi salatu wassalam lui a répondu par une phrase toute simple. Il lui a dit « Retourne prier, car tu n'as pas prié ». Mettons-nous à la place de ce compagnon. Donc l'homme revient prier, il revient saluer Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et une seconde fois, il lui dit « Retourne prier car tu n'as pas prié ». Alors l'homme écoute Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il retourne faire la prière, il revient saluer Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam une troisième fois et pour la troisième fois, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lui dit quoi ? Eh bien, retourne prier, tu n'as pas prié. Et là, l'homme ne comprend pas. Le compagnon lui dit, par celui qui t'a envoyé avec la vérité, je ne sais pas faire autrement, alors apprends-moi. Il a été sincère avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam du début jusqu'à la fin.
Et Rasoulallah sallallahu alayhi wa sallam va lui donner des conseils et il faut être attentif à ses conseils. Lorsque tu te lèves pour accomplir la salat, fais le takbir. Donc, Allahu Akbar. Puis, lis ce que tu peux du Coran. C'est-à-dire, en dehors de la Fatiha, lis ce que tu sais, ce que tu peux. Donc, vous voyez ce que ça rassure aussi ceux qui ne connaissent pas beaucoup du Coran, ou bien très peu. Ensuite, fais un rukou' jusqu'à ce que tu te sentes apaisé dans le rukou'. Puis, relève-toi jusqu'à ce que tu sois bien droit. Donc, quand tu te relèves du rukou', donc, tu te mets droit, tu te relèves, et ensuite, prosterne-toi au point d'être apaisé en soujoud, en prosternation. Ensuite, relève-toi jusqu'à ce que tu sois apaisé en étant assis. Et fais ceci dans chacune de tes prières. Vous avez remarqué quelque chose de particulier qu'on n'a jamais entendu, qu'on ne nous a jamais appris. Rasoulallah sallallahu alayhi wa sallam lui dit, lorsque tu es dans le rukou', fais un rukou' avec la sakina, apaisé, rassuré. C'est-à-dire, prends le temps dans le rukou'. Ne te précipite pas, il y en a, ils font. Et lui dit, prends le temps. Tu es face à ta majesté. La prière ne dure pas 3 minutes, elle doit durer 10 minutes. Prends le temps. Incline-toi vers Allah. Et il y a certains savants qui disent qu'on peut dépasser les Subhan Rabbi al-Azim, on peut dépasser les 3 fois. Les 3 fois, eh bien, c'est la sunna du prophète, alayhi salam, on peut dire jusqu'à 10 fois. Donc le rukou', prends ton temps. Et ensuite, tu te relèves bien droit. Pas comme ça, mais bien droit. Prépare-toi pour le sujoud. Quand tu te prosternes, prosterne-toi de manière apaisée. Prends ton temps. Prends ton temps. Ne te relève pas tout de suite. Prends ton temps. Ça veut dire que le compagnon allait trop vite. Et il lui dit, quand tu te relèves pour te mettre assis après le sujoud, là aussi, prends une position apaisée. Ne va pas trop vite. Il y a une doua aussi à dire ici, Rabbi gfirli 3 fois. Il y en a d'autres aussi, mais Rabbi gfirli. Et puis, on revient vers le sujoud de manière apaisée. Il lui a dit, ce que je viens de te conseiller, ce que je viens de t'apprendre, tu le fais à chaque salat. À chaque salat, fais les efforts de te rapprocher d'Allah. Donc, on comprend que 3 fois, le prophète, alayhi salatu wassalam, va insister jusqu'à ce que le compagnon dise, « Ya Rasulallah, je ne sais pas faire, mais apprends-moi. » Donc ici, Rasulallah, sallallahu alayhi wa sallam, n'a même pas répondu à son salam. Il lui a dit, « Ce que tu viens de faire, c'est une grande erreur. Tu n'as pas prié. » Allahu Akbar. La manière apprise par Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et ce que ce compagnon faisait avant, il lui a dit, tu n'as pas prié. Alors où est-ce qu'on en est dans la salat? Alors, certes, c'est bien de culpabiliser. Ah, mais moi j'ai fait comme ce compagnon. D'accord, on se repent. Ya Allah, pardonne-moi. Et on continue le chemin. Mais de rentrer dans un état psychologique, des émotions négatives et être emporté par ça, oui, mais ça veut dire que tout n'a pas été accepté. On a fait des efforts, Allah a vu, et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam est tombé au bon moment. Donc, alhamdoulilah, on a encore toute la vie pour se corriger. Ici, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, prends ton temps, relève-toi, prends ce temps-là, sois apaisé. Laisse quelques secondes avec Allah. Retourne en soujoud. Relève-toi. Le rukou' aussi. Ne va pas trop vite. C'est un moment avec Allah. C'est le lien fort avec Allah. Tu es avec le roi. Le roi des rois. Tu es dans le royaume du roi.
tu dois lui faire cette crainte révérentielle. Et puis, cette inclinaison, une inclinaison majestueuse même, où on rend hommage à sa majesté. C'est le lien avec Allah. Donc, quand on va parler de l'khushu' dans la salat, ça veut dire quoi? Parce qu'Allah Azza wa Jalla en a parlé dans la sourate des croyants, sourate al-mu'minun, ça veut dire quoi? Allah Azza wa Jalla dit dans les premiers versets de sourate al-mu'minun, en parlant des gens d'al-Firdaus, ils ont cette qualité, je vais en citer que deux. Allah a dit قد أفلح المؤمنون بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون, ont vraiment réussi ceux qui ont la foi. Ça, c'est la première qualité des gens de l'Firdaus. La deuxième qualité, الذين هم في صلاتهم خاشعون, ceux qui, eh bien, sont concentrés avec humilité et ressentent la présence d'Allah dans leur salat. Al-khushu', c'est la concentration. Avec humilité, on se fait tout petit, on est entre les mains d'Allah. On ressent la présence d'Allah. On ressent la salat, on ressent le takbir, on ressent Samir Allah liman hamida, on ressent Subhana Rabbi al-Azim, on ressent Subhana Rabbi al-A'la, on ressent le tahiyat, on ressent le salam. C'est une salat particulière à chaque fois. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lui dit, fais ce que je t'ai dit, ce que je t'ai recommandé, ce que je t'ai conseillé à chaque prière. Et ici, Allah dit dans le verset, aura vraiment réussi, ont vraiment réussi. Qad aflaha, c'est le passé, ils ont vraiment réussi. Ils auront l'accès s'ils ont accompli les sept qualités. Donc, les gens de l'Firdaus, si on veut mériter l'Firdaus, si on a pour objectif d'aller dans l'Firdaus, ça passe par ces deux qualités-là. Avoir une foi. Cette foi où je suis convaincu en Allah. Cette foi où je suis à 100% dans mes doigts, à 100% dans la salat. Alors, je mets l'intention d'être à 100% dans ma prière. À un moment donné, peut-être il y aura de la distraction. Mais il faut y aller tout doucement. Allah voit les efforts, mais surtout il voit l'intention. Et c'est ça qui est magnifique dans notre religion. Innamal a'malu binniyat. Les actes ne se concrétisent qu'avec l'intention. L'intention est bonne, alhamdulillah, Allah nous récompensera. L'intention n'est pas bonne, eh bien on sera récompensé aussi. Selon notre intention. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit, le serviteur d'Allah prie une prière et il se peut qu'on lui accepte uniquement le dixième, ou le neuvième, ou le huitième, ou le septième, ou le sixième, ou le cinquième, ou le quart, ou le tiers, ou la moitié. Retenez bien ce hadith du prophète, alayhi salatu wassalam. Il dit, le serviteur d'Allah va faire la prière. Mais il se peut que dans cette prière, avec la distraction, le manque de concentration, le manque d'humilité, eh bien, il n'y a que le dixième, 10%. Allahu Akbar. Peut-être la moitié. Mais on ne sait pas qu'est-ce qui a été accepté. Qu'Allah nous en préserve. Mais ce hadith, il doit nous dire quoi? Donne le meilleur de toi-même dans la salat. Mets une intention sincère. C'est mon rendez-vous avec Allah et le reste, je m'en fiche complètement. J'aurai le temps d'y penser après. J'aurai le temps de m'en soucier après. J'aurai le temps de gérer après. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jalla nous demande d'être dans le tawakkul. C'est-à-dire, je confie tous mes soucis entre les mains d'Allah. Toutes mes épreuves entre les mains d'Allah. Il faut aller à la salat dans le tawakkul. On ne doit pas être submergé par les enfants, le conjoint, le travail, les soucis, l'argent, les dettes, les factures, les impayés, les parents, les enfants. Non, on laisse tout entre les mains d'Allah. Parce que dans cette prière, c'est un recueillement. On est entre les mains d'Allah. Dans cette prière, on va parler avec Allah. Allah Azza wa Jal, il s'est nommé lui-même El-Wali, le chargé de mes affaires. Pourquoi on porte un fardeau? Et on dit, Ya Allah, je souffre.
Allah, il t'a dit, laisse-moi. Tous tes dossiers, confie-les-moi. C'est moi qui aurai la meilleure gestion de tes dossiers. Mais fais-moi confiance. Il y a un ennemi à la salat. Il y a un ennemi. Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam en a parlé, mais juste avant, je vais citer un verset d'Allah. Après l'histoire de Adam et Hawa, après l'histoire de Iblis qui est sorti de la rahma d'Allah, Iblis en colère, parce qu'Allah a donné de la valeur à Adam, il ne comprenait pas pourquoi. Il se sentait meilleur que Adam, donc plus légitime de la reconnaissance d'Allah. Et il dit, dans Sourate Al-A'raf, versets 16 et 17, Qala fabima aghwaytani la'aq'udanna lahum siratak al-mustaqim thumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktharahum shakirin. Il dit, donc Iblis, comme tu m'as trompé, entre parenthèses, ya Allah, eh bien, je les attendrai de pied ferme sur ton droit chemin. Puis, il ajoute, hein, ensuite, je m'en prendrai à eux, par ce qui est entre leurs mains. Derrière eux, à leur droite, à leur gauche, et tu verras que la plupart ne te seront pas reconnaissants. Donc ici, Iblis, subhanallah, il va tenir sa parole, hein. Il promet à Allah, il jure à Allah qu'il va s'attaquer aux sincères. Alhamdoulillah que nous soyons sincères et ça va être le test. Iblis et Shaitan, eh bien, vont être un test pour nous. Ici, si on fait confiance en Allah et qu'on demande la protection à Allah, il n'aura aucun pouvoir sur nous. Le seul moyen par lequel Shaitan a une influence sur nous, c'est uniquement le waswas, pensée négative. Il souffle les pensées négatives, il souffle ici, au niveau de la poitrine. C'est pour ça que dans le Coran, on dit Alladhi waswisu fi sudurin nas, celui qui waswas ici, dans les poitrines des gens. D'où l'utilité de mettre parfois sa main ici quand il y a trop de waswas et de réciter les trois dernières sourates pour que le waswas parte. Donc ici, il promet une chose. Je les attends fermement sur ton droit chemin. Le droit chemin, c'est la salat, les invocations. Et regardez comment il va détailler. Allah nous informe et nous prévient. Il faut vraiment méditer. Il y a le sens propre, mais il y a le sens aussi figuré de ce verset. Min bayni aydihim, entre leurs mains. Entre leurs mains, subhanallah, c'est aussi les invocations. Il nous fait douter dans les invocations. Entre leurs mains, c'est quand on donne la sadaqa. Il nous fait douter dans la sadaqa. Entre leurs mains, c'est entre ce qu'ils possèdent, subhanallah. Ce qui est devant eux aussi. Shaitan n'agit pas ici, dans les doigts, dans la sadaqa, dans le khir qu'on veut faire. Ensuite, il dit, et puis derrière eux. Derrière eux, c'est aussi la symbolique du passé. Et il est là pour nous perturber. Oui, mais t'as vu ce que t'as subi. C'est pas normal, c'est très grave. On m'a blessé, on m'a trahi, on m'a fait ceci. On est toujours en lien avec le passé. On n'arrive pas à s'en détacher alors qu'Allah nous a demandé et ordonné de pardonner, d'accepter les autres comme ils sont et d'accepter le passé comme il est. Oui, mais non, il n'y a pas de oui, mais. Le oui, mais, c'est pour Shaitan. Ensuite, il dit à leur droite, peut-être les proches, c'est le bras droit. À leur gauche, peut-être l'ennemi. Voyez, de partout, il est devant, derrière, à droite, à gauche, et il ajoute, et tu verras que la plupart ne te seront pas reconnaissants. Reconnaissants au niveau de la foi, au niveau de tous les biens qu'on possède, tout ce qu'on touche à la maison, tout ce qu'on a, tout ce qui est à notre nom, c'est la faveur d'Allah. Et surtout ce cœur, qui est une amane qu'on doit rendre à Allah avec pureté, sincérité. Donc ici, il attaque. Mais il n'a aucun pouvoir, je vous assure, il n'a aucune influence. C'est juste du waswas. Et d'ailleurs, le jour du jugement, il dira, oui, mais c'est pas moi le responsable. Moi, j'ai fait que conseiller. Moi, j'ai fait que insuffler. C'est eux qui ont agi.
Donc, il va, Yom al-Qiyam, le jour du jugement, se désengager. Alors, pourquoi donner de l'importance à ce qui n'est pas important? Pourquoi, se laisser perturber par un être qui nous veut que du mal? Il faut en être conscient. Et je vais ajouter. Allah Azzawajal dit toujours dans Sourate Al-A'raf, verset 200. Et si tu es perturbé par des pensées négatives insufflées par Shaitan, eh bien, demande la protection d'Allah, il est celui, innahu sami'un alim, il est celui qui entend parfaitement tout et connaît parfaitement. Donc, wa imma yanzaghannaka min ash-shaytani nazghun. Et si tu es perturbé par une pensée négative où Shaitan souffle, Allah dit, fasta'idh billah. La solution, elle est là. Demande la protection d'Allah. Demande-lui de te protéger contre Shaitan. Innahu sami'un alim. Il sait que tu es perturbé par Shaitan. Il y en a qui vont douter dans les ablutions, il y en a qui vont douter dans la raka'a, il y en a qui vont douter dans le tahiyyat, il y en a qui vont douter dans j'en ai fait deux, j'en ai fait trois, j'en ai fait quatre, est-ce que j'ai pris le dhuhr, est-ce que j'ai pris l'asr? Il y a la participation de Shaitan. Et vous savez, Shaitan, il a plus d'influence sur ceux qui commettent des péchés mais qui ne se repentent pas. Allah Azza wa Jalla nous dit: وَمَنْ يَعَشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّدْ لَهُ الشَّيْطَانِ فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. Celui qui s'éloigne du souvenir de Rahman, eh bien, on met à sa disposition un shaitan qui devient son compagnon. Et là, il le perturbe. Mais quand on s'éloigne d'Allah, c'est qu'on a commis un péché sans revenir auprès d'Allah. Il n'y a pas eu le repentir. C'est ça, s'éloigner aussi d'Allah. C'est que le reproche n'est pas fait dans le péché en lui-même. Il est fait dans le repentir. On n'a pas lavé le péché. Donc, si on multiplie les péchés, Shaitan va avoir plus d'influence sur nous. Mais si on lui ferme la porte avec le repentir, et c'est là où il agit en disant, non mais toi, t'as fait les 400 coups. Toi, personne ne peut te... ne peut t'accorder une rahma. Encore moins Allah parce que tu lui as désobéi. Il vient perturber. Il t'envoie même des personnes pour te dire non mais il n'y a pas d'espoir. Alors qu'Allah nous dit gardez espoir. Wala taqnatu min rahmatillah. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'an. Ne désespérez pas de la rahma d'Allah. Parce qu'Allah pardonne toute forme de péché. Quand il y a eu le repentir, Allah attend le repentir pour te libérer de ton péché, pour que tu te sentes mieux. Mais si tu collectionnes les péchés sans le nettoyage, avec la sincérité dans le repentir, « Ya Rabbi, je regrette », même si on a regretté, on a recommencé, tant qu'on est dans le regret et tant qu'on revient auprès d'Allah, c'est ce qu'Allah veut voir. Tu reviens sincèrement, même si ça fait 10 fois, tu reviens sincèrement, même si ça fait 10 ans, tu reviens sincèrement. C'est ici qu'Allah veut nous voir et nous attend. Donc, eh bien, si tu es perturbé, dis « A'oudou billah minash shaitan rajim ». La solution, elle est simple et facile. D'ailleurs, un compagnon qui s'appelait Uthman ibn Abi al-As, radiallahu anh, il s'est plaint un jour. Il est venu voir Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit « Ya Rasulallah, le diable s'est interposé entre moi et ma salat et ma récitation. Il est venu me perturber. » Et là, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lui répond, « C'est un diable nommé Khanzab. » Il s'appelle Khanzab. Il est la spéciale salat. « Et si tu sens sa présence, alors demande la protection d'Allah contre lui et souffle sur ta dorade 3 fois. » Et l'homme est revenu voir Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam après les conseils qu'il lui a donnés et lui a dit « J'ai fait ce que tu m'as dit, ce que tu m'as conseillé et Allah l'a éloigné. » Donc,
le compagnon est perturbé, comme nous on pourrait l'être. Mais il a pris conscience qu'il était perturbé, il est venu demander la solution, le conseil auprès de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui lui dit, ben écoute, voilà, oui, c'est vrai, tu as raison. Il y a un shaitan qui perturbe, et il est là uniquement pour la salat. Il s'appelle Khanzab, il a un prénom même. Ce que je te conseille de faire, c'est de dire à A'oudou billahi minash shaitanir rajim quand il est là, même si on est dans la salat, hein, même si on est dans la salat, on le dit, A'oudou billahi minash shaitanir rajim, et on souffle trois fois à gauche. Alors vous, vous me voyez à droite, mais là c'est la ma gauche. Et on est dans la salat et on le fait. Et il disparaît. Il attaque qui ? Les personnes sincères, concentrées. Donc on a besoin de l'aide d'Allah. Et Allah, je te demande la protection, ta protection contre Shaitan. On ne sait pas dire en français, on le dit en arabe. A'oudou billahi minash shaitanir rajim. Et on continue la salat. Ça peut arriver, mais ça fait partie aussi de la salat. On ne peut pas exclure. Le prophète Aïssatoul m'a dit, la sérénité, c'est pour ça qu'il faut y aller tout doucement. Il y a un hadith, bon, les savants disent que il n'est pas sahih, c'est-à-dire il n'est pas authentique, mais le sens, wallah, il est bon. Al-ajalatu min ash-shaytan, la précipitation vient de shaytan. Toute personne, regardez, observez, hein, ceux qui font vite leur prière, on veut aller vite, mais on ne savoure pas la salat. Et peut-être que dans la vraie vie, le comportement n'y est pas trop aussi. Donc, la sérénité, l'attachement à Allah. Mon bonheur, il est dans ma salat, a dit le prophète, alayhi salatu wassalam. C'est ici qu'on m'a mis mon bonheur. Pourquoi ? Parce que mon bonheur, il est auprès d'Allah. Ma joie de vivre, elle est auprès d'Allah. Tant que je suis avec Allah, je suis bien. Si je m'éloigne d'Allah, mon âme va se sentir très très mal. La sérénité, dans le recours, dans le sujoud, quand on se tient droit, quand on se relève en position assise, on doit être serein, c'est-à-dire dans le calme, on marque un temps d'arrêt, de pause. Allez-y tout doucement, vous allez voir, votre prière va changer. Et demain, Inch'Allah, on méditera Sourate Al-Fatiha. Ce n'est pas encore là, mais j'ai voulu poser d'abord avec quelques conseils. Inutile d'être submergé par des conseils pour la salat. On prend déjà ce qu'il y a. C'est important d'y aller très doucement et ne pas se précipiter, vouloir chercher des conseils comme ça. Il y en a des conseils. Mais on met une intention sincère de prier pour Allah. C'est le rendez-vous avec Allah. Donc, ce n'est pas juste trouver un endroit parce qu'on travaille et qu'on doit se débarrasser de la salat. Non. Trouver un endroit, un lieu de prière, que ce soit à la maison ou à l'extérieur, où vous serez concentré. S'il n'y a pas de concentration, bah oui, vous allez devoir le faire à la maison de manière concentrée. C'est plus important. Parce que le hadith est très clair. Le dixième, voire que la moitié de la salat sera acceptée. Que la moitié. Et je terminerai, Inch'Allah, avec un hadith du prophète, alayhi salatu wassalam, qui dit: tout musulman qui fait ses ablutions et excelle dans ses ablutions et se lève pour prier deux unités avec son cœur, alors le paradis lui est dû. Alors le paradis lui est dû. Donc ici, ce qu'il faut retenir, c'est quoi ? Les ablutions. On ne se précipite pas, on ne parle pas, on se dit, c'est un moment de préparation. D'ailleurs, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit, chaque goutte qui tombe, tes ablutions, ce sont des péchés qui tombent. La salat, de salat en salat, les cinq prières, ce sont des péchés qui sont nettoyés. Donc, les péchés, c'est pas juste on revient vers Allah et on demande pardon. Même Allah nettoie à travers la salat les péchés, il y a des péchés qui tombent dans la salat. Donc, toute la journée, en fait, on est nettoyé par Allah. Ça ne nous empêche pas, hein, de continuer à formuler le repentir. Astaghfirullah, Seigneur, pardonne-moi sincèrement toutes mes erreurs, toutes mes fautes, parce que l'avantage de dire pardon à Allah, c'est d'être élevé en degré. C'est comme le game. Il y a des règles du jeu. Et puis, le kiff,
c'est vraiment quand je gagne. J'ai envie de passer à un level supérieur et un peu plus corsé, un peu plus dur. Et puis, ça fait plaisir de se dire, j'ai commencé là. Et j'ai pu arriver à là avec l'aide d'Allah. Ça, c'est important. Donc, le kiff du musulman, ce sont ses efforts. Alhamdoulilah, j'ai fait ce que j'ai pu. J'ai fait du mieux que j'ai pu. Allah, tu sais que je suis sincère avec toi. Si je manque de sincérité, ramène-moi à l'ordre, montre-moi la vérité. Et ici, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous dit, tu fais tes ablutions de manière excellente. Donc, ici, l'accent est mis sur les ablutions, premièrement. Ensuite, sur deux unités de prière. Les nawafil sont toujours à l'honneur pour le musulman. Et on reviendra sur l'importance aussi des nawafil pour donner envie de prier. Parce que les nawafil, les prières en plus, en dehors des cinq prières obligatoires, tout ce qui est deux unités de prière, eh bien, c'est comme un rempart autour de la salat. Faire deux unités avant la salat et deux unités après, ou surtout deux unités avant, c'est comme installer un rempart. Il y a moins d'attaques de shaitan. C'est un petit peu, je vais vous donner l'image, de la forteresse. Quand il y a un rempart autour du château, eh bien, ça ralentit l'accès aux cambrioleurs. C'est-à-dire, on va mieux le voir. Et puis, le conseil qui a été donné par un sage à son élève, il lui dit, si un jour, tu étais amené eh bien, à avoir un troupeau et que tu passes avec ton troupeau à côté de chiens qui aboient, tu fais quoi? Il lui a dit, ben, moi, je le chasse. Je lui dis, ben, attends, je fais tout pour les... Oui, mais il lui a dit, mais s'il revient, ben, je recommence. Et s'il revient, bien je recommence. Il lui a dit non. Le meilleur comportement, c'est d'accepter et de passer. On passe, comme on dit, la caravane passe et les chiens aboient. Donc ne pas rester focalisé sur ça. Oui, ça fait partie aussi du jeu que Shaitan perturbe dans la salat. Le repentir de salat en salat est très important. Ça limite les attaques de shaitan. Et ici, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ajoute « avec son cœur ». C'est-à-dire avec amour et avec crainte. Bonnes ablutions, on fait la salat. Ne serait-ce que même deux unités. Hein. Avec son cœur, le paradis lui est dû. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a parlé uniquement de deux unités. Donc ça doit donner envie de faire la salat quand on sait qu'il y a des récompenses. C'est pour ça que je veux vous parler des récompenses. C'est motivant pour certains, et bien c'est motivant. Pour d'autres, ils se disent, tant que moi je suis en lien avec Allah, c'est le plus important. Mon âme, je la nourris. Si je ne nourris pas mon âme, eh bien, il va y avoir des angoisses, des tristesses, des peurs, des chagrins, des colères. Je ne me comprends même pas et il y en a qui arrivent à se détester. Pourquoi ? Parce que l'âme, elle te le fait payer. Ton âme, elle te le fait payer. Tu n'as pas été bienveillante envers elle. Elle te dit, tu vas voir, je vais te le faire payer. Moi, ma nourriture, c'est la lumière d'Allah. Moi, ma nourriture, c'est dans la salat, dans la sadaqa, dans la umrah, dans le hajj, dans le bon comportement, dans Ramadan. C'est ça, ma nourriture, dans les bonnes actions sincères. Tu m'enlèves ça, je te le fais payer. Vous voyez ? Donc, le début, c'était avec la sérénité, donc un cœur serein. Et ici, on termine avec un hadith où le prophète, alayhi salatu salam, dit « Et tu vas à la salat avec ton cœur, tu aimes, tu le fais uniquement pour Allah. C'est un moment de bonheur pour toi. Qu'Allah nous accorde le bonheur et la joie de vivre. Qu'Allah nous accorde la sincérité dans chaque salat. Qu'Allah nous permette d'être comme ce compagnon, soucieux de sa salat. » Et Allah l'a orienté et qu'Allah nous permette d'être proche du modèle de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dans chaque salat. On met une intention, on fait les efforts et on laisse entre les mains d'Allah. L'essentiel c'est d'évoluer, l'essentiel c'est de toujours se dire mon objectif c'est Allah, je veux me rapprocher de lui. La prière rapproche d'Allah, la prière m'éloigne aussi des mauvais comportements, des péchés, puisqu'Allah azza wa jalla nous dit « inna salata » تنهى عن الفحشاء والمنكر. La prière, eh bien,
elle te pousse à t'interdire de commettre des péchés laids, immoraux, des grands péchés, des petits péchés. La prière, elle a cette influence-là. Elle t'éloigne de la désobéissance. Barakallahu fikum wa astaghfirullah li wa lakum. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin wa alhamdulillahi rabbil alamin. Amin Allahum, amin. Wa barakallahu fikum.